un coup. Sortez ! Sortez ! Les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liées au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Bonsoir, chers tous, les graves. Les ennemis du peuple sont en train de comploter à Ouagadougou. Au niveau de l'état-major, nous demandons à tout le monde, tout le peuple engagé pour la patrie, de sortir pour prendre tout le Burkina Faso. Tous les peuples, je dis bien tout le monde, vous êtes appelés à sortir massivement. Tout le monde dans la rue. Tout, tu as Kaya, tu as Waïguya, tu as Bobo. Tout le monde dans la rue. Ayoa Burkina Faso dans Bamsambi, si date. Il y a le 26 septembre 2023. Coup d'État en cours, coup d'État en cours. Sortez ! Sortez ! Il y a un coup d'État en cours. Sortez, sortez, sortez ! Sortez ! Il est 20h passé, 21h moins. La date, le 26 septembre 2023. Sortez, 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 il y a un coup d'État en cours, sortez. Nous avons eu une information selon laquelle un coup d'État allait avoir lieu aux alentours de 22h. Généralement, ça arrive entre 2h et 3h du matin. Mais ils avaient choisi de faire un coup d'État à Ibrahim Traoré à partir de 22h. Donc l'information a fuité et elle nous est parvenue. C'est l'un d'entre eux qui les a trahis. C'est pour ça que nous avons appelé les gens à rejoindre le rond-point des Nations Unies pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes le 26 septembre 2023 et c'est à 22h que le coup était prévu. Mais nous avons un message pour ceux qui préparent le coup. Qu'ils sachent que notre renseignement est plus fort que le leur. Même le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas au courant de cette affaire. C'est notre renseignement qui l'a détecté. Nous disons également au capitaine Ibrahim Traoré que nous traversons des moments d'incertitude. Nous réclamons la tête du cerveau qui prépare ce coup d'État. S'il le démasque, qu'il le livre au peuple afin que l'on décide de son sort. Nous voulons que le capitaine prenne ses responsabilités. Quel que soit le groupe qui tentera un coup d'État, qu'il livre seulement le cerveau au peuple, parce que le pouvoir, il n'appartient pas qu'au capitaine Ibrahim Traoré. Il appartient aussi au peuple. Si vous remarquez, l'appel que nous avons lancé n'a pas fait 10 minutes et les gens sont sortis massivement. Girls with the nails done.